Moi, je suis Jacques Beaudoin. Je représente un organisme communautaire qui s'appelle le Mouvement Action Chômage de Montréal, qui est un groupe de défense qui, depuis plus de 40 ans, défend les chômeurs et les chômeuses. Principalement, on lutte pour la remise sur pied au Canada d'un régime universel accessible d'assurance chômage, chose qui n'existe plus. Depuis les années 90, la montée du néolibéralisme, des politiques de pression à la baisse sur les conditions de travail, ben le régime, ce qui était autrefois le régime d'assurance chômage, a été réduit et très peu accessible. Il y a une couverture très minimale aux gens qui perdent leur emploi. Et particulièrement dans les deux dernières années, on a fait face à des grands changements qui ont été implantés par le gouvernement Harper, qui forcent les prestataires d'assurance chômage à accepter rapidement n'importe quel emploi, dans n'importe quel domaine, à n'importe quelle condition et à n'importe quel salaire. Alors, les gens ont plus le droit maintenant d'aspirer à améliorer leur situation ou à tout le moins maintenir leur situation. Ils doivent être prêts à accepter des emplois, dans certains cas jusqu'à 70 % de leur salaire habituel. Ça fait une pression sur les conditions de travail de tout le monde du travail, finalement, au Canada. Donc, on se bat sur ce front-là et on participe au forum parce qu'on pense que c'est important de lier cette lutte-là avec l'ensemble des politiques d'austérité des gouvernements, que ce soit au fédéral ou dans les différentes provinces. Alors, il y a des liens à faire parce qu'en réalité, on fait face à une offensive concertée de la classe dominante des entreprises.